Et puis faire la cuisine grâce aux bonbons, c'est possible. Et c'est l'idée d'une nordiste. Laurence Kellen dévoile ses secrets dans un livre, Cuisiner les bonbons. À Roubaix, cette boulangère en est à son 4e livre. Et ici, vous allez découvrir différentes recettes originales qui mettent en avant les bonbons du Nord. Retrouvez par exemple la poire pochée à la chicorée et au carambar, le loup au fenouil en croûte d'olive et pastilles du mineur, ou encore les mini cakes au chocolat et aux bêtises de Cambrai. Certaines recettes mélangent agréablement sucré et salé. Alexandra Gossin l'a rencontrée dans ses cuisines au programme une tartelette au carambar goût citron. Il s'agit de carambar au citron que vous allez faire fondre dans la crème fraîche liquide et mettre sur des fonds de tartelette sucrée ou sablée. Pâte sablée que vous pouvez acheter dans le commerce ou faire vous-même la recette, comme c'est indiqué dans le livre. Vous pouvez prendre des carambars et puis les mettre sur un papier sulfurisé ou sur une feuille de silicone et vous allez les faire fondre au four à 180 degrés pendant quelques minutes et les tuiles vont s'étaler.